Alors on va découvrir tout ce qui se passe ici et on va aller en direction des web-séries. Allez, c'est parti. Dites-moi, qui vous êtes ? Je m'appelle Tom Ilinski du Sceau de la Corruption. Voilà, je suis le réalisateur de ce super court-métrage. Et ça parle de quoi ? Alors c'est l'histoire de Wolfgang, donc c'est le monsieur qui est là, qui est joué par Damien Boisseau, qui est une voix très connue, qui fait la voix d'Edward Norton et Matt Damon. Et donc ce monsieur est un inquisiteur en fait dans un monde médiéval fantastique. Et il est chargé par l'église de tuer le monsieur qui est juste à gauche et qui est en fait le prêtre. Et c'est son mentor, son père spirituel, donc le choix va être est-ce que je vais le tuer, est-ce que je vais pas le tuer, voilà. Peux-tu nous parler de Challenger, s'il te plaît ? Alors, l'histoire de Challenger, en fait, c'est un mec qui a une mission à accomplir, il s'est remis à faire cette mission, et il y a un homme qui le traque, qui s'appelle le Capitaine, donc ce sont deux rivaux, deux ennemis. Le Challenger, il est accompagné de deux filles, Loli et Katana, qui vont l'aider à accomplir sa mission. J'en dis pas plus. Alors, il paraît que Noël tombe le 16 cette année. Ah oui, il va y avoir Star Wars 7 qui arrive. C'est un beau cadeau de Noël. T'es qui toi ? Je suis Rainbow Dash de la Rainbow Factory. Et t'as décidé de prendre quoi à Noël ? Sans doute ton âme, ensuite on verra. C'est ma spécialité ça pourtant. Alors, il paraît que tu crées des virus ? Ouais, ça envoie du pâté. Ça me plaît bien ça. J'aime bien les zombies. Tu peux pas me créer un virus qui transforme les gens en profond ? Non, pas pour l'instant, je peux pas, désolé, je suis pas sur un super virus là, qui crée des zombies, et ça qui... envoie du pâté. Et qui fait pousser des tentacules ? Ouais, ça viendra ça. Avec une odeur de poisson ? Ouais. Moi. Fais ton cri de méchant. Moi. Montre-moi ta gueule de guerrier. Moi. T'es qui toi ? Je sais, et vous-même ? Non, je suis Link the Sun. Link the Sun, hein ? Et tu fais quoi de beau ici au TGS ? Ah bah je vais surtout signer des autographes à des gens, ça va être surtout ça le programme en fait. Et sinon, tu conseilles quoi comme cadeau geek à Noël ? Ça c'est une bonne question. Et par contre, sans déconner, je suis tombé sur une réplique de des trucs que trouve le neveu au début de l'appel de Cthulhu. Et c'est assez sympa. Bon, ça coûte 1 000 $, mais y a tout dedans. Il y a le bas-relief, il y a toutes les lettres, les trucs, et c'est assez sympa. Et tu saurais le réciter par cœur ? Toi ? Mais en arabe, s'il faut, bien sûr ! Tu fais moi le malin, hein ? Non, mais pas, je saurais le réciter par cœur, après l'avoir appris. T'es qui ? Le clown d'American Horror Story, saison 3 ou 4, je crois que c'est la 3. T'as un rire méchant ? J'évite de parler en général, sauf pour les interviews. Allez, fais-moi ton cri de méchant. J'ai un problème de tuyauterie, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? Je peux vous mettre des étoiles dans la tuyauterie. Et du coup, ça sera un super tuyau et il se boostera jamais en fait. T'as pas une recette de cuisine ? Alors, la chauve-souris au bœuf, c'est bon. Avec un peu des oignons et un peu de sang humain aussi, forcément. T'as de beaux yeux. C'est mal ça vos conneries. Surtout que ce truc a traîné dans des chiottes du coup. Je vais te rentrer le pseudopode profond. Ah non, non. Alors tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas faire ça, grand ancien. En plus, je tape pas dans les grands anciens, je suis désolé. Salut, est-ce que vous pouvez me parler du NGI ? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc le NGI, c'est pas une web-série, malgré qu'on soit dans les web-séries. C'est une émission sur le paranormal où en fait on se rend sur des lieux qui sont dits hantés et on essaie de prouver l'existence du paranormal. Donc du coup, on montre un peu nos aventures, tout est réel, tout est fait un peu à l'impro. Et on est là un peu pour montrer notre univers. Voilà, pour le NGI. Dis-moi, comment te sens-tu face à cette défaite avec Omegazelle ? C'était un petit peu prévisible quand on voit les statistiques de la population qui nous suit. Il y a quand même 85% d'hommes et beaucoup de coming out non avoués. Tu vas gagner à la prochaine, je suis sûre. Mais le fait est déjà que je lui ai quand même mis une belle branlée la dernière fois.
Il faut dire les choses comme c'est. Donc forcément, il apparaît aux yeux du public comme voilà, un peu une victime, quelqu'un à défendre face à la grande, cruelle Gaïa. Donc forcément. Mais peut-être que quand ils verront la suite, si jamais on devait relancer les votes, les choses seraient bien différentes. Donc là, pour le moment, je dirais qu'il y a juste un partout. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'Ulysse ? Il y a toute une saison de disponible sur YouTube, donc de 10 épisodes. La saison 2 va arriver fin décembre. Et le pitch, en fait, c'est... on se trouve en 2038, après une troisième guerre mondiale, et on suit les aventures d'une jeune orpheline qui reçoit un jour un carnet, on ne sait pas de qui, mais ce carnet raconte l'histoire d'un jeune nommé Ulysse, et il raconte sa vie en 2012, Et on va essayer de comprendre ce qui se passe en 2038, en 2012. Et lui raconte sa vie plus ou moins banale avec ses amis plus ou moins normaux. Il y a juste un truc qui le fait chier, c'est un super pouvoir qu'il détient et qui lui ferait vraiment chier. Et le but va être de comprendre pourquoi on est arrivé à la Troisième Guerre mondiale avec ces personnages-là qui sont plus ou moins normaux et les relations qu'il peut y avoir entre les protagonismes de 2038 et 2012. Salut, c'est Jump pour TGS TV, donc on est avec le groupe Zikos. Non, on n'est pas avec le groupe Zikos. T'es pas avec le groupe Zikos, on n'est pas avec le mec, nous. On est musiciens, quoi. La web série, c'est Zikos, la web série. C'est Zikos, nous on est moustaché les gardiens. Et toi t'es qui, quoi. Tu cherches la merde, tu cherches la merde. La peau, t'as fait la même chose. T'as quoi, t'as envie de nous tricarder? Bon, alors c'était Jump pour TGS TV, on est avec un groupe de merde, là. C'était Diane pour la TGS TV avec les moustaches Zikos. Salut. Saturdayman. Oh non. Rapidement, très rapidement, en moins d'une minute. Alors, Saturdayman, c'est le super-héros du samedi soir. Quand ta soirée part en couille, on envoie les Saturdayman remettre l'ambiance. Alors, il est aidé par les quatre forces de la nuit que sont Force Dance qui ranime les corps, Force Sexe qui réchauffe les corps, Force Joke qui amuse la galerie et Force Drunk qui arrose le tout. Ensemble, ils combattent le vil grand sommeil qui veut que l'humanité s'endorme à 22h et ça, c'est très mal. Let it go, let it go. Alors, salutations, nous sommes aujourd'hui avec Benzaï. Salutations, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les téléspectateurs? Bonjour. Bonjour et bienvenue au Toulouse Game Show 2015. Je m'appelle... N'hésite pas à en reprendre. Donc je m'appelle Benzaï et j'ai 28 ans. Ça c'est la première fois que je fais ça. Du coup j'ai 28 ans et je fais des vidéos sur YouTube qui s'appelle notamment le Hard Corner, où je suis un mec avec une très grosse voix qui vend des jeux, tu vois, en renvoyant chier les clients. Voilà. C'est pour ça que je suis le plus connu. Ouais.
Alors, la première question qui me vient à la bouche, là, c'est est-ce que tu as vraiment balancé la figurine de Halo 5 du Guardian en petits morceaux? Donc, ça, c'est de la grosse merde. Donc, oui, là, je l'ai foutu à la poubelle. Parce qu'en fait, je me dis, j'ai tellement massacré, si tu veux, donc j'ai vraiment foutu le truc à la poubelle. Il y avait que des... Il y avait que des petits bouts, en plus. C'est ça, il y avait que des petits bouts, donc on a vraiment foutu à la poubelle. Ça servait tellement à rien de garder ça, donc non. Alors, la question suivante, est-ce que tu as des conseils de santé à donner pour ceux qui, comme toi, voudraient faire des marathons jeux vidéo? Alors, le meilleur conseil sur Twitch que je peux donner, c'est qu'il faut s'hydrater. Vraiment, c'est hyper important. Il faut boire. Putain, c'est hyper déconcentrant. C'est ça, en gros. Vraiment, je recommande de bien s'hydrater avant de faire le marathon. Sinon, vous allez avoir la bouche qui sèche. Donc là, ça peut être un problème pour parler des heures. Donc voilà, donc moi, je vous recommande de faire gaffe quand même, voilà, de pas trop user votre voix. Et... Eh bien de... oui voilà, de bien s'hydrater, c'est ça le principal quand vous faites un gros marathon sur un jeu. Alors, question suivante, quel est ton plus gros fantasme en matière d'unboxing de boîtes de jeux vidéo? Alors, j'ai un gros regret par rapport à la version collector de Titanfall, où j'ai pas pu acheter le méga collector avec le gros robot là. Ça coûtait 300 balles, donc j'avais pas les moyens de le prendre à l'époque, ce qui est terrible. Donc ça, c'est un truc que je garderai quand même, ouais, dans un coin de ma tête. Et reprends un. C'est un truc que je garderai dans un coin de ma tête. Si, il y a un truc que je ferai un jour, c'est Steel Battalion sur Xbox, qui était ce truc avec un énorme tableau de bord. Et le bouton d'éject avec. Un énorme tableau de bord. Avec un bouton éject. C'était un jeu de mecha sur Xbox, la première Xbox, et du coup il était hyper pointu, il y avait un joypad avec 40 boutons et deux gros joysticks. Et ça, c'était la grosse hype, et donc ça je l'en ferai un jour sur un corner. Alors, pour terminer, est-ce que tu as le mot de la fin? Eh bien c'est oh, bienvenue sur Benzai Live. Merci à toi, on te remercie pour cette interview sous Helium, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures Hard Corner, bien sûr. Eh bien merci, et puis abonnez-vous bien sûr. Bye. Ciao, ciao. Mais que faites-vous ici? Je suis venu voir des cosplays, plein de choses, et web-séries. Les acteurs, Jamie, je suis fan de Jamie, de Battlestar. Je crois que tu n'es pas le seul, parce que derrière cette caméra se cache aussi un grand fan. C'est le plus grand fan de Battlestar qui existe. Et on lui pique la caméra et on le filme. Allez, c'est parti. Alors, tes impressions avec Jamie? C'était fabuleux. Et en fait, ce qui est vraiment génial, c'est leur accessibilité. Ils sont vraiment très très bien pour ça. Et sinon, comme Hervé est avec nous, ben, on va faire un super gros bisou à Priscilla. Hein, on va lui faire un bisou qui peut pas être là sur ce TGS. Et ça, c'est le message pour toi.